Bonsoir le Togo, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je suis Kotré Aoura et je suis dans ce programme pour qu'ensemble nous révisions les mathématiques niveau 3e. Dans ce programme, révisions ensemble. La fois dernière, nous avons essayé de réviser ensemble sur les calculs littéraires. Qui fait partie de l'algèbre. Donc aujourd'hui, nous allons tenir compte sur la géométrie. Donc nous allons essayer de réviser ensemble aujourd'hui les vecteurs et que s'il y a le temps, nous pouvons aussi toucher les repères. Donc, lorsqu'on parle de vecteurs, je rappelle que dans ce programme, c'est une révision. Nous touchons les propriétés clés qui peuvent ensemble nous aider à traiter des exercices. Et il y aura le temps, si Dieu le permet, au moment où nous allons prévoir les exercices, nous allons traiter ensemble. Mais pour le moment, nous touchons des parties clés sur les cours pour voir qu'est-ce que nous pouvons retenir sur les chapitres. Donc sur ce, aujourd'hui, nous allons essayer de réviser ensemble le repère pour voir quelles sont les notions que nous pouvons retenir sur le chapitre vecteur plutôt, pour qu'ensemble puissions résoudre nos exercices, que ce soit une situation problème ou un exercice dans son ensemble. Donc lorsqu'on prend les vecteurs, ce chapitre vecteur dans le chapitre dans le programme, disons dans la géométrie, lorsqu'on parle de vecteur, c'est une notion qui prend en compte un point de départ et un point d'arrivée. Lorsqu'on dit on parle de vecteur, ça tient compte d'un point de départ et d'un point d'arrivée, c'est-à-dire le vecteur a toujours son extrémité et son arrivée du point A vers le point B. Du coup, si nous avons ce segment pour le moment, ça c'est une droite, ce n'est pas encore un segment ni un vecteur. Si je mets un tiret ici, je mets un tiret ici, ça devient quoi? Un segment. Alors, je peux dire segment AB. Maintenant, pour le moment, ce n'est pas encore un vecteur. Avant que ça ne soit un vecteur maintenant, il faut que quoi? On ait le sens. Donc, ça devient je dois faire 7,5, ces petites flèches comme ça, pour montrer que quoi? Notre vecteur a comme l'extrémité, ou bien le point de départ A, et le point d'arrivée B. Ça quitte de A vers le B. Et c'est le sens de notre vecteur. Donc, du coup, on ne peut pas parler de vecteur sans parler du point de départ et le point d'arrivée. Sans voir aussi notre flèche qui montre le sens. Là, on ne tient pas compte que c'est un vecteur. Donc, si nous avons le point d'extrémité A ici et le point d'arrivée B avec notre flèche, là, nous pouvons dire que ça, c'est le vecteur AB. Et on a notre vecteur AB avec ceux d'une flèche en haut. Là, ça fait vecteur AB. Ça, c'est la notation. Du coup, on peut maintenant faire quoi? Étudier l'égalité. Lorsqu'on parle de vecteur, ça tient compte des notions de l'égalité. Quand est-ce qu'on peut dire que deux vecteurs sont égaux? Lorsque
lorsque vous êtes dans un exercice, on vous dit de démontrer que deux vecteurs sont égaux, ou bien est-ce que, à la question à savoir si ces deux vecteurs sont égaux, la première des choses, c'est pour voir que quoi? Est-ce que ces deux vecteurs ont même sens? Il faut voir s'ils ont même sens. Maintenant, après ça, il faut aussi regarder, voir s'ils ont même direction. Après, maintenant, on voit la norme ou bien la longueur. C'est-à-dire, j'ai le vecteur AB. Je veux maintenant avoir le vecteur. Je veux maintenant avoir le vecteur DC. Je veux maintenant avoir le vecteur DC. Et mesure cette norme. Je viens, je pose. C'est bien, même chose. Donc j'ai ici DC. Si avant de dire que le vecteur AB égale au vecteur DC, la première des choses que je dois faire, je dois avoir la direction. Hein? Si je vois, ils ont même direction. C'est parallèle, vous voyez. Donc, ils ont même direction de A vers le B, de A, de D vers le C. Direction, c'est quoi? C'est de voir si c'est vertical ou c'est horizontal. La première des choses. Ici, je vois que c'est horizontal. Maintenant, pour le moment, ça veut dire qu'ils ont même direction. Ça reste à voir quoi? Le sens. Le sens, c'est de voir ces flèches-là. Ça va vers où? Vous voyez? Ils ont même sens. On quitte de A vers le B, aussi bien qu'on quitte de D vers le C. Maintenant, ça reste quoi? Norme, longueur. Je vérifie voir si ils ont même longueur. J'ai mesuré, j'ai pris le compas, j'ai mesuré la norme là, elle est égale à celle-ci. Là, du coup, je peux quoi conclure que ces deux vecteurs sont des vecteurs égaux. Ils ont même égalité. Parce qu'ils ont même direction. Même direction. Même direction. Même sens, c'est bon, et quoi, même norme ou bien même longueur, c'est bon. Donc ils ont même direction, même sens, même longueur, avant de dire que ce vecteur égale à ce vecteur, c'est à dire vecteur AB égale à vecteur DC. Il faut qu'ils ont quoi, même direction. Même direction veut dire ça suit même orientation, même plan. Si c'est horizontal, c'est horizontal. Si c'est vertical, c'est vertical. Donc là, ils ont même direction. Sens, c'est l'orientation. Lorsqu'on quitte de quel point, on va vers quel point? On quitte ici de A vers le B, de même qu'on quitte de D vers le C. Ça veut dire qu'ils ont même sens. Maintenant,
longueur, c'est la norme. Si on mesure la grandeur là, est-ce qu'elle est même que celle-ci? Là, je peux dire que quoi? Si je mesure, voir que c'est même et que ça respecte ça, là, je peux dire maintenant que vecteur. Je peux dire maintenant que vecteur AB. Ah, c'est comme ça, un autre vecteur. Il faut toujours une demi-flèche en haut. Égal à quoi? Égal à vecteur DC. Si ça respecte ça, là, je conclue que vecteur AB égale à vecteur DC. Maintenant, si nous quittons là-bas, dans cette affaire de l'égalité vectorielle, si nous prenons chasse, chasse va nous dire que quoi? Si j'ai deux vecteurs à représenter leur somme, si je trace ces deux vecteurs, la somme de ces deux vecteurs est égale à leur résultante. Ça veut dire que quoi? J'ai le vecteur AB. J'ai le vecteur AB, c'est bon. J'ai le vecteur BC, toujours le sens contre, vous voyez. AB, j'ai fait une petite flèche, AB. J'ai le vecteur BC. Si j'ai ces deux vecteurs, ils étaient dans l'espace. Hein. Premièrement, ces vecteurs sont dans l'espace. Vecteur AB, vecteur BC. Ils étaient dans l'espace. Vecteur BC, vecteur AB, vecteur BC, ils sont dans l'espace. Maintenant, je veux pas une technique de chasse pour voir la somme vectorielle de résultante. Je mesure d'abord la norme de AB, je la représente. Je mesure la norme de BC, je la représente. Maintenant, chasse me dit, si je fais la somme de ces deux vecteurs, la résultante est égale à quoi? La somme de ces deux vecteurs. Ça veut dire que quoi? Ce vecteur AC. Ce vecteur AC est la résultante de ces deux vecteurs. Cette norme équivaut à la somme de AB plus BC. Ça veut dire, si je fais maintenant AB, vecteur AB, plus vecteur BC, c'est bon, égal à quoi? Égal à AC. C'est ça. Donc, si j'ai un travail à faire et que on me dit qu'il y a vecteur AB plus vecteur BC, de donner l'égalité, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que AB plus BC égale à AC. C'est comme ça aussi avec la notion de chasse pour simplifier les vecteurs. On nous dit que quoi? Si vous voyez qu'il y a BB à côté, ça part. Ça nous reste quoi? AC. Parce que quoi? Vecteur BB égale à 0. Nous sommes à l'origine. C'est comme nous sommes au même point. Vous voyez? Donc ici, vecteur BB va être égal à quoi? 0. Ça nous reste quoi? AC. C'est comme ça la simplification vectorielle. On n'a pas d'exercice ici, on va en même temps appliquer, mais on va le faire au temps venu. Donc ici pour le moment, vous allez retenir des choses, des propriétés utiles.
en attendant que le moment d'exercice va arriver. Donc, du coup, lorsqu'on fait la somme vectorielle de deux vecteurs AB plus BC, hein, ça donne la résultante qui est égale à quoi? AC. Mais là, si dans un repère, vous arrivez à avoir plusieurs repères que vous voulez simplifier, donc il faut vraiment observer pour voir l'égalité vectorielle. Quel vecteur égale à quel vecteur? J'ai le vecteur, par exemple, j'ai ces deux vecteurs. Donc si je sais que ces deux vecteurs égale à AC, je peux toutefois faire quoi? Remplacer ces deux vecteurs dans les calculs par AC. Je m'explique. J'ai des multitudes des vecteurs que je veux faire la somme pour pouvoir simplifier, pour pouvoir maintenant aboutir à un vecteur qui donne la somme de tous ces vecteurs. Je dois faire quoi? Je dois voir l'égalité vectorielle. Quel vecteur égale? On peut remplacer ça par quel vecteur? Par exemple, j'ai moins OC. J'ai moins OC. Moins OC égale encore quoi? Égale à quoi? Égale à CO. Donc, si au cours des calculs, je veux faire la simplification dans la propriété de chasse, si je vois moins OC, je peux toutefois remplacer moins OC par plus CO. Lorsqu'on dit OC, on veut quitter de O vers le C. Vous voyez? Donc, dans ce sens, on a quitté de O vers le C. Mais lorsqu'on quitte de C vers le O, ça devient quoi? Le sens opposé. Ça devient moins. Ça devient moins. Donc, du coup, si nous sommes avec propriété de chasse, c'est comme ça que nous allons essayer de faire quoi? D'étudier les vecteurs en voyant leur égalité pour pouvoir les remplacer afin que quoi? Nous puissions facilement faire notre simplification. Si j'ai vecteur A, C, c'est bon, plus vecteur CO, ça veut dire que quoi? C ici, ça devient 0. Donc ça me laisse quoi? Vecteur AO. Vous voyez? Car lorsque j'ai CC égale à 0, dans la simplification de la somme vectorielle, si j'ai vecteur CC, ça fait 0. Par exemple, si j'ai vecteur AC plus vecteur CA, c'est bon. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à les CC vont partir, ça va rester vecteur AA. Ouais. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 0. C'est comme ça. Ça veut dire que quoi? On parle du vecteur, ouais, vecteur AC. Vecteur AC, vecteur CA. C'est le contraire. Donc, cette somme va nous donner quoi? Vecteur nul. Vecteur nul. C'est bon. On me donne vecteur nul. C'est clair. Alors, il faut toujours mettre cette petite flèche pour signaler qu'il s'agit de repère. La notation de repère, il faut toujours ces signes, ces petites flèches pour démontrer, pour montrer que c'est, il s'agit d'un repère. Donc, lorsque nous quittons là-bas, nous pouvons maintenant ensemble voir quand est-ce qu'on parle de vecteurs opposés. Là, on vient de parler de vecteurs égaux.
Nous allons aussi parler de vecteurs proposés. Deux vecteurs sont opposés ou bien sont contraires l'un de l'autre. Lorsque ces deux vecteurs ont même direction, même longueur, c'est-à-dire même ordre, mais sens opposé, les sens sont différents. Alors, ça veut dire que même direction, si c'est vertical, c'est vertical. Si c'est horizontal, c'est horizontal. Même ordre. Mais c'est au niveau des sens que ça change. Ils ont sens opposé. Je vais représenter ça rapidement, vous allez voir. J'ai un vecteur AB. Faut toujours tracer les droites parallèles, c'est bon. Maintenant, je mesure la norme. Faut toujours mesurer la norme. Prends l'extrémité, j'arrive, je reviens, prends l'extrémité ici, donc c'est bon, très bien. Bien, j'ai maintenant DC. Si c'est comme ça, ça veut dire que quoi? Ces deux vecteurs sont égaux. Vous voyez, ils ont même direction, même sens à cause de ces flèches. C'est bon, même nord. Voilà. Et si je projette le point A, ça va tomber ici. Vous allez voir que quoi? Ce n'est pas forcément que ça quitte au même pied d'égalité. Ça peut être décalé, mais l'essentiel que quoi? Ça soit dans la même direction et aussi même nombre et même sens. Là, on parle de vecteurs égaux. Maintenant, nous, on veut parler de quoi? Vecteurs opposés. Vecteurs opposés. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui va changer? C'est juste le sens. C'est juste le sens. Donc, au lieu que ça quitte de D vers le C, ça devient quoi? De C vers le D. C'est tout. Donc, même direction, ici, direction horizontale, même ordre, si ici est égal à 2 cm, ici aussi doit être égal à 2 cm, c'est bon. Si c'est 2,5 cm, ici ça fait 2,5 cm, donc même longueur, même ordre, c'est bon. Maintenant, c'est au niveau du sens, c'est le sens qui est opposé. On quitte de quoi? De A ici vers le B. Mais ici, on quitte de quoi? De C vers le D. Donc, le sens de AB
est le contraire par rapport à quoi? À CD. C'est tout. Donc, même direction, c'est lorsqu'on parle de direction, c'est pouvoir, ça prend quelle allure vers où? C'est-à-dire, dans le plan, est-ce que c'est horizontal ou bien c'est vertical? On parle de horizontal lorsque c'est dans ce plan et on parle de vertical lorsque ça, c'est dans ce plan. Vous voyez? À main levée, vous voyez? Ça, c'est dans le plan vertical. Dans ce plan, c'est dans le plan horizontal. Donc, les repères respectent ça. Et en ce sens-là, on parle de direction. Et là, ici, ça veut dire que quoi? Le vecteur AB, c'est bon. Son contraire est quoi? Est DC. Est opposé. Est différent de quoi? De DC. De CD plutôt. CD. AB, DC. En ce sens, ce qui veut dire que quoi? Si on fait la somme vectorielle de A, B plus quoi? Plus DC plus CD plutôt. CD, ça doit être égal à quoi? Égal à 0, vecteur nul. Parce qu'ils sont opposés. Ce vecteur est le contraire de l'autre. Donc, leur somme va donner quoi? 0. Donc, dans les calculs, si on dit que le vecteur AB est opposé au vecteur DC, ou bien vecteur CD, alors, si vous faites la somme de ces deux vectoriels, ça va vous donner quoi? 0. Si je prends ce demi, si je prends ce segment, j'ai le milieu de ce segment. J'ai le point A et B. J'ai le I qui est le milieu de ces deux points. En termes vectoriels, si je prends le point I comme le point de départ, si je quitte de I vers le B, c'est différent de quitter de I vers le A. Ça veut dire que quoi? I, B, son contraire, c'est de I, A. C'est de quitter de I vers le A. Vous voyez? Je vais comme ça. Je vais comme ça. C'est différent. L'essentiel est que quoi? Ces points sont alignés. C'est la même direction. Voilà, ils sont dans la même direction. Maintenant, en termes d'égalité, si je quitte de... Celui qui quitte de I vers le B, le sens est contraire de quitter de I vers le A. Donc, de I, B, c'est différent de I, A. Maintenant, il faut quoi? Si je quitte maintenant de I, ici, par exemple, ça fait 2 cm, ici aussi, ça fait 2 cm. Donc, je dis que quoi? Si je fais IB plus IA, ok, ça doit être égal à quoi? Vecteur nul. Maintenant, si je quitte de A vers le I et que je quitte de I vers le B, ça veut dire quoi? AI égale à quoi? Égale à IB. J'ai quitté ici pour arriver à I. Et maintenant de I en B. Si c'est le même nombre, 2 cm, 2 cm, alors en termes de comparaison, AI égale à quoi? Vecteur AI égale à vecteur IB. Mais vecteur IB n'est pas égal à quoi? Au vecteur
IA. C'est-à-dire, j'ai quitté du point I vers le B et maintenant j'ai fait quoi? Le sens contraire de I vers le A. Ouais. Donc, en termes de calcul, si on vous donne des calculs au niveau des repères, si vous voulez faire la somme vectorielle, la simplification et autres, il faut vraiment faire la notification, la connaissance d'égalité vectorielle. Tel vecteur peut être remplacé par quel vecteur. Vous voyez, dans mes calculs, rapidement ici, si je veux calculer, par exemple, quoi? IB, je peux le remplacer par AI. Parce que quoi? Vecteur AI égale à vecteur IB. Donc, je peux remplacer ça, si ça, ça demande, pour pouvoir simplifier ou bien faire certaines opérations. C'est très important. La connaissance ou bien la notification vectorielle, savoir que tel vecteur peut être remplacé par tel vecteur en termes d'égalité ou bien tel vecteur est le contrôle de tel vecteur pour pouvoir simplifier ou bien pour pouvoir faire des opérations vectorielles. Si nous quittons à ce niveau, donc ce que vous avez retenu pour le moment, vous avez retenu que nous avons les vecteurs égaux et les vecteurs quoi opposés. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle vecteur égaux? Vecteur égaux, ce sont deux vecteurs ou bien des multitudes de vecteurs qui ont même direction, même sens et même nombre, c'est-à-dire même longueur. Maintenant, on parle de vecteurs opposés lorsque ces vecteurs, en termes de comparaison, ils ont quoi? Même direction, même longueur, c'est-à-dire même nombre, mais les sens opposés. Et j'ai dit, les sens, c'est je quitte de quel point vers quel point. Si je vais, je quitte de nord vers le sud, c'est bon, je quitte du nord vers le sud. Celui qui quitte maintenant du sud vers le nord, ça veut dire que le sens, c'est contraire. Donc, ça veut dire que nous sommes opposés. Mais si je quitte du nord vers le sud, l'autre aussi quitte du nord vers le sud, ça veut dire que nous avons le même sens. Nous orientons vers le sud. Nous allons tous vers le sud. Donc, nous avons le même sens. Et aussi, nous avons la même direction. Si nous sommes toujours dans le plan vertical ou bien horizontal en quittant du nord vers le sud. C'est ça. Donc, c'est la meilleure des choses que vous devez retenir en termes vectoriels pour pouvoir faire des opérations dans les calculs avec les vecteurs. De vecteurs sans parler de repères. Les vecteurs sont des alliés ou bien de la même famille que les repères. Celui qui parle de repères parle directement aussi des vecteurs, car il y a toujours un point de départ et il y a toujours un point d'arrivée. Jusqu'au niveau des repères, il y a des coordonnées qui vont faire quoi? Qui vont vous permettre de pouvoir localiser un point. Et lorsque vous allez localiser ce point a toujours un point de départ qui est ici dans notre repère tout de suite que vous allez voir, qui est le point d'origine vers le point d'arrivée qui va maintenant vous donner le vecteur de ce point de départ qui est l'origine vers ce point d'arrivée. Donc les repères sont toujours dans un plan et lorsqu'on parle de repère, on a toujours le point ordonné, c'est à dire la direction ou bien le segment contenant
l'ordonnée et le segment aussi ou bien une droite contenant les points d'abscisse. Donc nous avons toujours l'abscisse et l'ordonnée. Donc, vous avez deux droites qui sont perpendiculaires à un point donné. Donc ici, c'est notre origine que nous pouvons baptiser O. Ça dépend de l'origine. On peut dire V, c'est la lettre, c'est clair. On peut dire I, ça nous. Mais au niveau, sur le plan national et international, dans les documents, on utilise souvent le point O comme le point d'origine de notre repère. Donc, ici, maintenant, il faut avoir ici 1 cm. Ici aussi, de l'origine vers ce point, 1 cm. Donc, ça c'est des références. Nous avons ici le I et ici le J. Le I représente l'axe des abscisses et le J représente l'axe des ordonnées. Donc, ici maintenant, vous pouvez graduer votre repère. Donc, de l'origine jusqu'à I, ça fait 1 cm. Ici 2. 3, 4, 5, ainsi de suite. Même chose ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Même chose. L'origine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, il faut toujours faire quoi? Graduer votre repère. Donc, ici, nous avons quoi? Ce qu'on doit aussi savoir au niveau du repère est que quoi? Nous avons le côté négatif et le côté positif. Si vous êtes à l'origine et que vous vous déplacez vers le côté droit, donc vous allez vers plus l'infini. Vous allez vers le nombre positif. Donc ici, c'est les chiffres positifs. On aura ici 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Maintenant, si vous quittez de l'origine, vous allez vers le côté gauche de votre main ou bien bras. Donc vous allez dans le sens opposé des nombres positifs. Donc vous êtes vers moins l'infini. Donc il y aura ici le nombre négatif. Ici, moins 1. Moins 2, moins 3, moins 4. Même chose avec l'ordonnée. Si vous allez vers le haut, donc vous êtes avec le nombre positif ici. 1, 2, 3, ainsi de suite. Même chose ici, le contraire. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, vous allez graduer quoi? Votre repère. Maintenant, lorsque on quitte à ce que nous faisons notre représentation. On parle de repère. On parle de quoi? Des coordonnées des points. Vous pouvez maintenant avoir quoi? Par exemple, deux points. Point A et le point quoi? B. Le point A a ses références et le point B aussi a ses références. Le point A peut avoir ses coordonnées X, Y. Le point B aura aussi ses coordonnées X' et Y'. Maintenant, en termes d'annotation vectorielle que nous venons de faire, nous avons dit, si j'écris par exemple OA, il faut mettre ce vecteur. Aussi au niveau des repères,
Si nous prenons le O comme l'origine, on peut dire que quoi? O A égale à quoi? Égale à XI. Ah. Si c'est un nombre positif, plus quoi? Plus YJ. Où X et Y représentent des chiffres, des valeurs. Maintenant, si j'ai ces deux points, par exemple ici X, Y, et que j'ai les valeurs, où A égale à 2 et 3, B, A ses coordonnées, par exemple 5 et 4, là ça dit que quoi? Ce point A que j'ai représenté ici, ça fait A, encore, A quoi? A comme coordonnées 2 et 3. Et ce point B, qui est ici B, a comme coordonnées 5 et 4. Ça veut dire que quoi? Le 2 représente le X et le 3 représente le Y. Et ici aussi, le 5 représente le X et le 4 représente le Y. Simplement, ça veut dire que quoi? Le X est sur l'axe des abscisses et quoi? Le Y est sur l'axe des ordonnées. Donc, si on me donne ces points, on peut maintenant me dire que quoi? De représenter ces points dans ce repère. Donc, je viens, je cherche là où il y a 2. 2, c'est un nombre positif. Donc, ça veut dire que je quitte de l'origine vers positif. Donc, je cherche. J'ai le 2 ici. Maintenant, je vois l'autre, c'est 3. Donc, 3 ici. Je prends ma règle, je pose verticalement, je pose mon équerre, je pose perpendiculairement, je cherche là où il y a le 3 ici, je fais un petit comme ça, je viens, je cherche ici, je pose bien, ouais, donc ça veut dire que quoi, ces deux points se croisent à ce niveau, c'est ici. Cela m'amène à dire que quoi, les références du point A le localisent à ce niveau. Donc j'ai mon point A ici. Maintenant, si je veux faire allusion par rapport à l'origine, ça veut dire que si je veux aller en termes de vecteur du point O vers le A, donc j'ai quoi? J'ai le vecteur O A. Ouais, j'ai le vecteur OA. Maintenant, je peux maintenant représenter quoi? L'autre point B qui a comme coordonnées 5, 5 et 4. Je vais par rapport à ma représentation côté repère, les chiffres que j'ai là-bas, c'est pas trop comme ça. Je vais mettre ici moins 2 et 1. J'ai remplacé au niveau des coordonnées. Donc, j'ai le moins 2. Je cherche moins 2. Moins 2 ici. Je cherche le 1. Le 1, c'est ici. Vous voyez? Donc, toujours, je viens. Je prends. On peut le faire avec le compas. Vous le faites avec le compas ou bien vous prenez votre
équerre, vous posez bien. Faites, vous voyez là où il y a le 1, vous faites un petit nos. 1 c'est positif, excusez-moi. Donc c'est vers le haut. Je vois qu'il y a le 1 ici. Je fais un demi tiré. Et bien. Et bien. Donc j'ai mon point B à ce niveau. J'ai mon point B à ce niveau. Donc j'ai quoi? J'ai le point A et le point B. Donc je peux toutefois avoir quoi? Avoir vecteur BA. Donc je peux toutefois avoir vecteur BA. En faisant quoi? En joignant juste. Ouais. En joignant juste. Et à A. Donc j'ai le vecteur BA. BA ou bien j'ai le vecteur AB. Ça dépend des directions. Si c'est de A vers le B, donc j'ai mon vecteur AB. Si c'est de AB vers le A, donc j'ai mon vecteur B, A. Vous voyez? Donc, ça, c'est la représentation de placer les points dans votre repère. Maintenant, on peut faire quoi? On peut calculer. On peut calculer. Dans les vecteurs, avec les coordonnées des points. Si je prends tout de suite ces deux points, on peut me demander de calculer quoi? De calculer le vecteur AB ou bien BA. Ouais. Si on me demande de calculer le vecteur AB, c'est bon? Ça veut dire que quoi? Vecteur AB. Il me dit de calculer le vecteur AB. Ça me dit de calculer le vecteur AB ou bien coordonnées du vecteur AB, c'est bon, du point A vers le B. Cela veut dire que quoi? Ça fait X. On commence par le point d'arrivée, moins le point de départ. Je quitte chez moi pour l'école. Si on me demande de voir l'écart entre chez moi et mon école, je vais voir lorsque j'ai quitté chez moi, c'était à combien de kilomètres? Ou bien à combien de centimètres, mais combien de mètres. Lorsque je suis arrivé à l'école, ça fait combien de mètres? Je fais quoi? Ce que je vois à mon point d'arrivée, moins le point du départ. Donc, ça veut dire que quoi? Si je quitte de A vers le B, ça fait X de B moins X de A. Ouais. Y de B moins Y de A. Pour trouver les coordonnées vecteur AB, du vecteur ou bien coordonnées de AB, c'est bon. Donc si ici avec les coordonnées du vecteur A et vecteur B, je peux toutefois calculer vecteur AB ou bien calculer la longueur de quoi de AB en faisant quoi? AB serait égal à quoi? Serait égal à X de B, ça fait quoi? Ça fait moins 2. Je remplace juste. On a dit moins, vous voyez, X de A. X de A, ça fait quoi? Ça fait moins 2. Donc, je mets ici moins 2. Voilà. Il y a moins. D'abord, ce moins, vous voyez, et le 2 vient. Donc, le 2, son signe, c'est plus. Donc, moins. Donc, ça devient moins 2. Vous voyez? Maintenant, on a dit Y de B. Y de B, c'est 1. Maintenant, Y de A, ça fait 3. Avec, on dit quoi? Y de B moins Y de A. Donc, le moins vient. Et maintenant, j'amène la valeur de quoi? De Y de A, qui est égal à 3. Maintenant, en termes d'opération, de calcul, si j'ai deux chiffres qui ont même signe, si je veux
faire l'opération entre eux, je compte ces deux nombres, je les compte, et à la fin, je mets le signe, leur signe. Vous voyez, donc j'ai ici moins 2, j'ai ici moins 2. 2 plus 2, ça fait 4. Comme ces deux nombres qui ont le signe moins moins, donc ça me fait moins 4. Donc ça fait AB, je mets AB ici. Donc ici, ça fait moins 4. Vous voyez. Et si j'ai deux nombres, ces nombres-là, ils ont signe contraire. J'ai 1 qui est le signe plus, j'ai 3 qui est le signe moins. En termes de calcul, je regarde ces deux chiffres. Quel est le chiffre qui est plus grand? Si j'ai 1 et 3, 3 est plus grand que 1. Mais en termes de comparaison, si je prends 1, c'est plus grand que moins 3. Mais je ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas enlever 1 dans. Je ne peux pas enlever 3 dans 1. Mais 1, je peux l'enlever dans 3 en gardant le signe de 3. Donc ça fait ici moins 2. Donc, si c'est vecteur AB, je vais dire que vecteur AB a comme coordonnées maintenant moins 4 et moins 2. Et je peux rapidement représenter ça dans mon repère. Ça, c'est calcul de coordonnées du vecteur AB ou bien de toutes sortes de vecteurs qu'on va vous donner. Cherchez à savoir que quoi, si je quitte du point A vers le B, donc je dois faire le quoi? Je dois faire X de B moins X de A, Y de B moins Y de A. Parce qu'on a quitté de A vers le B. Donc je suis avec notre notion de temps. Vous voyez que le temps est en train de couler. Sinon, on devrait aller sur calcul de distance et de milieu et de savoir comment on parle de vecteurs collinaires, vecteurs orthogonaux et autres. Quelles sont les opérations que nous pouvons faire pour pouvoir conclure que ces vecteurs sont parallèles ou bien ces vecteurs sont perpendiculaires. Comment calculer le milieu et autres. Prochainement, nous allons le faire, et compte tenu du temps. Donc, je remercie tous les téléspectateurs et je nous dis tous, allons-y au travail et rendons vraiment l'humanité plus viable, plus harmonieuse, plus belle qu'aujourd'hui. Je remercie la communauté de la chaîne télé où nous présentons ces cours ici et je dis vraiment courage à nous tous. Et à la prochaine.